Salam alaikum. Alors, c'est une nouvelle vidéo d'exercice mécanique rationnelle 2 pour la série numéro 2. Alors, aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 2. Alors, je vous montre l'énoncé. Alors, dans l'énoncé de la série numéro 1 de mécanique rationnelle 2, on vous dit, voilà, alors en utilisant le théorème de Gulden, déterminer les coordonnées du centre d'inertie des corps solides homogènes suivants. Alors vous avez un quart de cercle, un demi disque de rayon R, une plaque matérielle de forme triangle rectangle, une plaque rectangulaire de côté A et B, et enfin une plaque de côté A et B sur le côté A d'un demi-cercle de rayon évidé plutôt, évidé sur le côté A d'un demi-cercle de rayon R. Voilà. Alors, on passe à la page 22. Voilà. Vous avez ici l'exercice 2. Je reprends l'énoncé. Voilà. Alors, c'est quoi le théorème de Gulden? C'est une seconde méthode pour la détermination des centres d'inertie des solides linéaires ou surfaciques homogènes trouvés par Gulden. Voilà. Alors, pour appliquer le théorème de Gulden, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait tourner un solide linéaire ou surfacique. Alors, il faut faire attention, ça s'applique surtout pour un solide linéaire, pour des fils ou des solides surfaciques autour d'un axe delta qui ne passe pas par le solide. Alors, vous voyez ici, par exemple, deux cas. Vous avez un fil de longueur L et on veut calculer le centre de masse de ce fil massique. Voilà. Alors, on fait tourner ce fil par rapport à un axe delta. Voilà, un axe delta qui ne passe pas par le fil massique. Et cette rotation va engendrer une surface. Voilà, une surface va être engendrée par la rotation de ce fil autour de cet axe delta. Et bien, le centre de la distance entre le centre de masse de ce fil et l'axe de rotation égale à la surface engendrée par la rotation de ce fil autour de ce delta d'un angle 2 pi, c'est-à-dire une rotation complète, divisé par 2 pi fois la longueur de ce fil. Alors c'est là, c'est-à-dire là, l'application du théorème de Gulden pour un solide linéique. Maintenant, pour un solide surfacique, eh bien, on fait la même chose, sauf que c'est une surface qu'on va faire tourner autour d'un axe delta qui ne passe pas par le solide. Alors, vous voyez ici, par exemple, le centre de masse de ce solide, la distance entre le G, le centre de masse, et l'axe de rotation, c'est RG. Ça nous permet de déterminer la coordonnée du centre de masse dans cette direction. Maintenant, si on veut calculer la distance, la coordonnée de G dans l'autre direction, eh bien, on va faire tourner ce solide autour d'un axe horizontal qui ne passe pas par le solide. Et le théorème de Gulden nous dit que cette distance RG égale au volume total engendré par la rotation de cette surface autour de delta divisé par 2 pi sur la surface totale du solide surfacique. Voilà. Et ben on va appliquer ces deux résultats du théorème de Gulden pour trouver les coordonnées du centre de masse de ces différents solides. Vous voyez ici qu'il y a un solide linéaire et quatre solides surfaciques. On commencera par le premier cas, c'est un quart de cercle de rayon R et de masse grand M. Voilà. Alors, pour un quart de cercle de rayon R et de masse M,
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, puisque l'axe OX et l'axe OY ne passent pas par le solide, voilà l'arc, eh bien, on peut faire tourner ce quart de cercle autour de l'axe OX, c'est-à-dire que OX est l'axe delta, ou bien on peut aussi le faire tourner par rapport à OY. Voilà. Alors la rotation du quart du cercle autour de l'axe OY, on fait tourner ce quart de cercle autour de Y, de OY, c'est le delta, donne la coordonnée suivante OX du centre de masse G. Voilà. Alors XG, c'est la distance, puisque OG, OY, c'est un axe du repère OX, Y. Ben, XG, c'est la coordonnée du centre de masse de ce quart de cercle suivant X. On fait tourner ce quart de cercle autour de OY. La surface engendrée par la rotation de ce quart de cercle autour de Y, c'est S par rapport à Y, divisé par 2 pi fois la longueur de ce quart de cercle. La longueur de ce quart de cercle, c'est bien pi r sur 2, parce que la longueur, le périmètre d'un cercle, c'est, rappelez-vous, c'est 2 pi r divisé par 4, et bien ça donne pi r sur 2. Maintenant, voilà, alors que la surface engendrée par la rotation de ce quart de cercle autour de L, de OY, eh bien, ça donne une surface d'une demi-sphère. La surface d'une demi-sphère, eh bien, c'est 2 pi r au carré. Voilà, 2 pi r au carré, puisque c'est un demi de la surface d'une sphère complète. Eh bien, ça donne 2 pi r au carré. Eh bien, en remplaçant dans l'expression de XG, on place S par rapport à Y par 2 pi r au carré fois divisé par 2 pi fois L. Alors c'est pi r sur 2 et ça donne 2 r sur pi. Alors vous pouvez, on peut vérifier que la fois passée on a trouvé la même chose. Voilà. Pour XG pour un quart de cercle de rayon R et de masse M, eh bien on a trouvé XG égal à 2R sur pi. Voilà. Voilà, XG égal à 2R sur pi. De même, alors la rotation du quart de cercle, voilà, on va faire tourner ce quart de cercle autour de OX pour trouver la coordonnée suivante Y du centre de masse. Voilà, SOX. Et bien, on fait tourner ce quart de cercle autour de OX. Et bien, ça nous donne une surface d'une demi-sphère. Bien sûr, la surface est 2 pi r au carré. Voilà, la longueur, ça reste toujours pi r sur 2. Voilà. Et je remplace 2 pi r au carré sur pi au carré fois r, puisque je remplace l par pi r sur 2. Et on trouve finalement 2r sur pi. Voilà, c'est la même chose, puisque c'est symétrique. Et on vient de retrouver les coordonnées de ce quart de cercle en utilisant le théorème de Gulden. Voilà. Maintenant, pour le cas du demi-disque de rayon R et de masse grand M. Voilà le rayon, voilà le demi-disque avec un rayon R. Bien sûr, la surface de ce demi-disque, eh bien, c'est voilà, c'est pi r au carré sur 2. Voilà. Alors, on fait tourner. Alors, ici, on ne peut pas faire tourner le demi-disque par rapport à suivant OX, puisque le OX passe par le centre, par le demi-disque, par le solide. Eh bien, il nous reste à faire tourner le demi-disque par rapport à OY pour trouver la coordonnée suivant X du centre de masse. Rappelez-vous que la coordonnée suivant Y
du centre de masse et 0 par symétrie. Voilà. Alors XG, alors puisque c'est un solide surfacique, on va utiliser cette expression de XG égale à le volume engendré par la rotation de ce demi-disque par rapport à l'axe OY, voilà, divisé par 2 pi fois S. S, c'est la surface de ce demi-disque qui est égal à pi r au carré sur 2. Voilà. Qu'est-ce que donne la rotation de ce demi-disque autour de l'axe OY qui nous donne une sphère de volume 4 sur 3 pi r puissance 3. Voilà. Alors vous avez S égale à pi r au carré sur 2 et V, le volume engendré par la rotation du solide par rapport à l'axe OY, c'est 4 sur 3 pi r puissance 3. En remplaçant S et VO par rapport à Y ci-dessus par leur expression respective, on trouve, voilà, le volume sur 2 pi fois la surface égale à 4R sur 3 pi. Voilà. Alors on peut voir le résultat. Voilà. Vous avez 4R sur 3 pi, le résultat qu'on a trouvé par intégration. Voilà ici demi-disque. Voilà. Alors c'est pour le demi 4R sur 3 pi. Bien sûr, YJ égale à 0 par symétrie. Maintenant, pour la plaque matérielle en forme de triangle rectangle. Alors voilà, je vous rappelle juste les formes. Voilà, on a fait déjà le cas de quart de cercle, demi-disque, et on va faire le cas d'un triangle, voilà, droit avec les côtés A, B. Alors, puisque les axes OX, OY ne passent pas par le triangle, alors il est possible de faire tourner ce triangle par rapport à OY pour trouver XG et le faire tourner par rapport à OX pour trouver X plutôt YG. Alors je vous donne ici l'exemple de la rotation de ce triangle de base A et de hauteur B autour de l'axe OY. Voilà, et bien ça donne un cône. Voilà, un cône de base A et de hauteur B. Bien sûr, le volume de ce cône, c'est un tiers du cylindre contenant c'est-à-dire de même base que le cône et de même hauteur. Voilà. C'est le un tiers de ce cylindre. Alors le cylindre, sa base, c'est pi a au carré, voilà, puisque c'est le rayon A, et la hauteur B. Bien sûr, on va prendre juste le un tiers de ce cylindre. Alors la rotation de la plaque, voilà, donne la coordonnée suivant x du centre de masse G. Bien sûr, en utilisant cette expression de xg qui est égale au volume généré par la rotation autour de Y, divisé par 2 pi s. Alors s, c'est la surface de ce triangle qui est égale, bien évidemment, à b sur 2. Voilà. Et en remplaçant dans l'expression, on va trouver xg égale à 1 tiers pi a au carré fois b divisé par 2 pi ab sur 2 et ça donne a sur 3. Voilà, c'est un résultat très très connu que la coordonnée suivant x de ce triangle du centre de masse de ce triangle c'est a sur 3. Voilà, maintenant de même on va utiliser yg, on fait tourner le triangle autour de OX, et ben ça donne toujours un cône, sauf que cette fois-ci la base est B, pi B au carré, et la hauteur c'est A. Voilà. Mais la surface reste la même. Voilà. Alors c'est au lieu de pi A au carré B, on a un tiers de P B au carré fois A, et en remplaçant dans l'expression de Y de G, on trouve, voilà, B sur 3
Ainsi, le centre de masse G d'une plaque matérielle en forme de triangle rectangle de base A et de hauteur B, A pour coordonnées, voilà, A sur 3, B sur 3 et 0 puisque c'est surfacique. Maintenant, on passe au quatrième exemple. C'est une plaque rectangulaire de côté A et B. Alors, puisque OX et OY ne passent pas par la plaque, eh bien, on peut faire tourner la plaque autour de OY pour trouver XG et on peut aussi la tourner par rapport à OX pour trouver plutôt YG. Bien sûr, voilà, on fait tourner la plaque autour de OY, eh bien, ça donne un cylindre de base circulaire de rayon A et de hauteur B. Le volume, c'est quoi? C'est PA au carré sur B, fois B plutôt. Et la surface, c'est bien A fois B. Alors, en remplaçant dans cette expression de XG, on aura pi A au carré fois B, c'est le volume du cylindre engendré par la rotation de la plaque autour de B, autour de l'axe OY, divisé par 2 pi fois la surface de la plaque A fois B, ce qui donne A sur 2, bien sûr, c'est évident. Voilà, c'est A sur 2. Et Y du geste, de même, on aura pi fois AB au carré, puisqu'on fait tourner la plaque autour de X, et ben on aura une base de rayon B et une hauteur A. Et ben ça donne pi AB au carré sur 2 pi AB égale à B sur 2. Voilà. Alors maintenant concernant la plaque évidée, voilà, sur le côté A d'un demi-cercle de rayon R, eh bien, on aura, voilà, alors puisque l'axe OY passe par c'est-à-dire la plaque, on ne peut pas faire tourner là, on ne peut pas utiliser le théorème de Gulden. Par contre, on peut utiliser le théorème de Gulden en faisant tourner la plaque autour de OX. D'ailleurs, le centre de masse suivant OY, c'est 0 par symétrie, parce que OY est un axe de symétrie de cette plaque. Alors, faisant tourner la plaque autour de l'axe OX, eh bien, voilà, la coordonnée, c'est YG égale à V, le volume obtenu par la rotation de cette plaque évidée autour de l'axe OX, eh bien, ça donne un cylindre évidé d'une sphère. Voilà. Alors, la plaque, la surface, sa surface, c'est la surface d'une plaque AB rectangulaire moins la surface d'un demi-disque. Voilà, c'est pour ça. On aura S égale à A fois B moins pi R au carré sur 2. Et le volume engendré par la rotation de cette plaque évidée autour de l'axe OY, eh bien, comme je viens de le dire, c'est un cylindre évidé d'une sphère. Alors le cylindre A pour volume pi a b au carré, voilà, b au carré c'est la base et a c'est la hauteur moins le volume d'une sphère de rayon grand R, c'est 4 sur 3 pi r puissance 3. Voilà, pour ça on aura cette expression du volume. Maintenant, en remplaçant dans les expressions, on aura, voilà, l'expression du volume divisé par 2 pi fois la surface de la plaque. Voilà, et tout calcul fait, on trouve 3ab au carré moins 4r puissance 3 sur 3 2ab moins 1. Alors, normalement, c'est, voilà, c'est. Alors, je dois refaire le calcul. Vous pouvez faire le calcul. Mais c'est très simple, voilà.
C'est là l'expression de YG. Alors normalement, c'est le pi, ça saute avec le pi. Vous avez ici le pi, alors 2AB, voilà, puisqu'il y a, il y a le R au carré, voilà. Le R au carré, c'est R au carré ici, voilà. Avec un 2 ici, et le 2 qui va, voilà, qui va sauter avec ce 2, voilà, le 2 qui va sauter avec ce 2, on aura le 3 ici et le 3. Voilà, ici c'est R au carré, voilà. Alors, d'autre part, l'axe OY étant un axe de symétrie pour la plaque évidée, la coordonnée suivante OX de G est XG. XG égale à 0, voilà. Et le centre de masse sera quelque part suivant suivant Y. Suivant Y. Suivant X, c'est 0. Alors suivant Y, il est quelque part ici. Voilà. Merci.